Bonjour, tous mes voeux très sincères à tous ceux qui m'écoutent et je leur souhaite et je vous souhaite à tous surtout de ne pas faire de résolutions de début d'année. Oublions les résolutions, oublions les je veux, oublions les il faut, oublions les buts à atteindre, oublions les je veux être ceci, je veux faire cela, je veux parvenir, stop. Ce que je vous souhaite, c'est d'oublier je veux et de découvrir, de pratiquer, d'apprécier « je suis ». Je vous souhaite d'être dans l'instant, de ne pas vous poser de questions, même si demain vous semble très sombre et visiblement sera très sombre. Ne pensez pas à demain. Il se construit à partir d'aujourd'hui. Il se construit à partir de l'énergie que vous dégagez aujourd'hui. Et même si ça paraît complètement hurluberlu, ça ne l'est pas. Quand je suis, moi, en paix avec moi-même, et si je me sors de tout ce qui m'entoure, aussi sombre, aussi inquiétant, aussi angoissant que ce soit, je dégage quelque chose de paisible, je dégage quelque chose de porteur, et ça m'aide à repousser tous ces nuages, et ça permet de créer cette ouverture, aussi minime soit-elle, une ouverture pour que demain ait un peu de la paix d'aujourd'hui, et que jour après jour, les choses se fassent sans que je sache pourquoi, pour que tout s'éclaire. Alors, même si c'est pas le plus affreux des affreux en ce moment, n'essayez pas de dire, bon, cette année, quelle résolution je prends? Où je veux en être à la fin de l'année? Qu'est-ce que je veux avoir accompli 2 mois du reste? Stop, stop, stop! Demain n'existe pas. C'est aujourd'hui qui existe. C'est aujourd'hui que je respire. C'est à l'instant présent que mes poumons se soulèvent et redescendent. C'est à l'instant présent que mon souffle me dit que je suis en vie. C'est l'instant présent qui est important. C'est l'odeur de l'air dehors, d'un peu d'air frais. C'est l'odeur de quelque chose qui cuit quelque part et qui sent bon. C'est cette petite pâtisserie bien sympathique, et puis ou belle, simplement dans la vitrine. C'est le monde est beau juste autour de nous. Il faut égoïstement oublier ce qu'il est loin de nous. Nous sommes assaillis d'images, de sons sur l'horreur du monde. Essayez de trouver une nouvelle sympathique. Il n'y en a pas. Alors la beauté du monde, je la connais. Je sais que la nature est belle, même si l'homme veut la détruire. Je connais la beauté de la mer, je connais la beauté d'un lac, je connais la beauté d'un arbre, d'une fleur, du printemps qui va naître dans quelques mois, de la neige qui peut recouvrir le ciel, de la brume qui s'accroche aux montagnes. Tout cela existe depuis toujours. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le bonheur de la beauté de ce qui est ailleurs. Alors si je dois faire une chose cette année, c'est ne pas me projeter sur la fin d'année, mais chaque jour, cultiver la journée qui passe. Chaque jour, essayer de me poser, ne serait-ce qu'un instant, pour commencer, dans le juste simple fait d'être. De me moquer pas mal de ce qu'on me dit de moi, de ce que je crois être parce que les autres m'ont dit « Stop !» Je ne crois pas être ce que les autres m'ont dit. Je suis persuadée qu'ils me voient comme ça. Mais moi, au fond de moi, je sais ce que je suis. Voyez-vous, quand on arrive à mon âge, qui n'est pas vénérable, mais qui, bon, a passé la limite à partir de laquelle, ben, on sait que un moment, ça va s'arrêter. On ne sait pas quand. Ça peut s'arrêter bientôt, et on est un vieux jeune mort, puisque là, cette année, moi, c'est 64 ans que je vais honorer, fêter, j'en sais rien, qui vont passer, qui vont se marquer sur le calendrier de ma vie, la craque. Et bien ça, c'est un âge à partir duquel les gens meurent. Hein. Et puis, il y en a qui vont très très loin. Alors, vous ne savez pas quand vous arriverez. Ça pose en vous une réflexion qu'on devrait avoir bien plus tôt, mais qu'on n'a pas. Ça vous fait comprendre que, ben, en fait, le temps, demain, c'est quoi? Demain existe et n'existe pas. On le sait bien avant. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, pourquoi est-ce que je veux toujours me projeter sur l'avenir? Pourquoi est-ce que je veux réaliser un rêve de maison, de bien, de voyage, de...
Pourquoi je n'essaie pas d'être juste bien avec moi-même? Si je suis bien avec moi-même, des choses j'en ferai, j'en créerai, j'en inventerai, j'en vivrai. Je ne sais pas lesquelles encore, mais elles naîtront de ce bien-être. Je vous le souhaite. Cultivez le fait de ne plus se prendre la tête à vouloir arriver. Ça ne sert à rien. Un jour, on a tous une date finale, une date de péremption. Alors pourquoi vouloir arriver toujours avant et ne même pas prendre le temps de voir la vie, vivre la vie passer en nous? On est dans un TGV et on est à toute vitesse, stop, revenons au beau vieux train d'antan dans lequel on pouvait voir le tout paysage. C'est comme l'autoroute sur laquelle on est lancé à toute vitesse parce que c'est l'autoroute, il fait aller vite. L'autoroute, c'est juste une route sûre parce qu'elle a une voie, il y en a beaucoup des voies et que c'est beaucoup moins dangereux et qu'il y a beaucoup moins d'accidents. Mais on n'est pas obligé non plus de rouler à 130. Hein? Vitesse autorisée en France pour mes amis étrangers. On peut aussi rouler beaucoup plus tranquillement. Suivre les gros camions, là, et admirer le paysage. Ah, ben on va mettre un peu plus de temps pour arriver. Mais qu'est-ce qu'on sera reposé? Qu'est-ce qu'on sera moins stressé? Qu'est-ce qu'on sera moins inquiété? Qu'est-ce qu'on aura pu profiter de ce bout de route, peut-être en compagnie de quelqu'un avec qui on est content d'être? Qu'est-ce qu'on aura savouré, peut-être ce moment avec nous-mêmes? Je vous souhaite d'apprendre de savoir savourer l'instant, le présent. Le présent, c'est le goût de la vie. Il est en nous. Alors je vous souhaite de parcourir ce chemin vers vous, de l'y trouver, de l'y découvrir, de le savourer et de continuer votre route comme ça, année après année, de mieux en mieux, en vous, avec vous et du coup avec les autres et dans la vie. Plein de lumière. Au revoir.